Je vous suivrai jusqu'à ce que je ne sois plus. Que poussière au vent, vous le savez, n'est-ce pas? C'est fait! L'empereur Titus Médée II est mort! Et la confrérie noire est toujours debout. Mais notre travail ne fait que commencer. Approchez et écoutez-moi, oreille noire. Un autre enfant a prié sa mère. Allez voir le fermier indolent à l'auberge de Villemire à Forivar. Prenez l'argent qu'il vous remettra et tuez la cible. Signez notre contrat de son sang. Quelle erreur de m'avoir épargné! Quoi, vous pensiez... Ah, je vous ai eu! Oh, l'oreille noire, si vous pouviez... Oh, Cicéron est de retour! Pas pour tuer l'oreille noire, mais pour le servir jusqu'à ce que l'un de nous meure en l'honneur de notre maître. En attendant, je vais faire comme chez moi ici, au sanctuaire. Je suis sûr que mère a besoin... Oreille noire! Tuons quelqu'un. J'ai encore pas mal de boulot à vous proposer, si vous cherchez à vous faire un peu d'argent. Eh bien, si par hasard vous remettez la main sur ce genre de... Quelle charmante découverte. Tenez, ça devrait vous dédommager. Eh bien, moi, si par hasard vous remettez... Il se trouve que cet objet est de grande valeur. Belle prise. Tenez, voilà qui devrait vous faire plaisir. Le sanctuaire d'Aubétoile. C'est là que vous et votre bande vous terrez maintenant. Vous savez quoi? De quoi parlez-vous exactement? Des étendards, hein? On essaie d'égayer un peu l'endroit. Tenez, voilà. J'ai encore pas mal de boulot à vous prendre. Dites-moi ce qu'il vous faut, et je dirai à mon personnel. Voilà qui sera utile, n'est-ce pas? Un poste d'alchimie, peut-être un petit jardin avec des plantes de choix. Très bien. C'est comme si c'était fait. Vous cherchez du travail? Très bien. Que cherchez-vous? Oh, oh. Voilà la confrérie noire telle que je la connais et telle que je l'aime. C'est pour le travail ou le loisir? Oh, peu importe. Je veillerai à ce que ça soit fait. J'ai encore pas mal de... Très bien. Que...
Que cherchez-vous ? Oui, on peut faire ça. Je suis en train de penser à une bouche d'égout à la périphérie d'Aube-Étoile. Elle mène à un tunnel qui mène à l'intérieur. Vous pourrez entrer et sortir en un rien de temps. Je comprends bien. Une chambre digne d'un roi, c'est ça ? Aucun problème. Vous aurez un grand lit, la pièce sera joliment décorée et on trouvera bien quelques babioles. Vous avez besoin d'argent ? J'ai peut-être quelque chose pour vous. Désolé, je ne peux pas faire mieux que ça. J'espère avoir rendu l'endroit vivable. Bonne chance pour vos... meurtres. Vous avez besoin d'argent ? J'ai peut-être quelque chose pour vous. Où allez-vous comme ça ? Il y a du travail. Aimeriez-vous vous entraîner au tir d'élite ? Vous êtes l'assassin, pas vrai ? Un mage imprudent réside actuellement à l'auberge du foyer gelé, à Fort d'Hiver. Je voudrais que vous le supprimiez. Tenez, cet or devrait faire l'affaire. Je ne vous connais pas. Vous voulez du travail ? Prenez une hache et ramenez-moi tout le bois que vous pourrez couper. Méfiez-vous des loups si vous montez au haut Rodgar. Vous auriez pu demander tout...
Aussi Céron est à votre service. Oh, grande et puissante oreille noire. J'attends vos ordres. Que puis-je faire pour vous, Oreille Noire ? Que puis-je faire pour vous, Oreille Noire ? Il vous suffit de prononcer les mots. Oreille Noire, c'est un honneur de me tenir devant vous. Qu'y a-t-il, Oreille Noire ? Tout à... Nous avons Dicus, un récupérateur. Marandrujo, un marchand itinérant. Cet Argonien est une... C'est un sorcier accompli. Cet elfe des bois tient une échoppe en ville. Mais il va souvent dans les plaines autour de Blancherive pour chasser. Tuez-le là-bas. Aucun témoin. Pourquoi faites-vous cela ? Je vous dirai tout ce que vous voudrez. Mais arrêtez de me faire du mal. Je vous en prie. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me faire ça. Désespéré à la caserne de Vendôme.
Prenez l'argent qu'il vous remettra et tuez la cible. Signez notre contrat de son sang. Alors, attendez. Cicéron est vivant et nous sommes tous redevenus.